la news ni magazine ile natukabraka ma information ya kweli ile tunafuataka kila siku ndio la news. Ndio la news magazine atafila information mimi pe déjà la ma amali la kidonda ma kidonda. Ndio la news ina magazine de kulanda mtel dosu ndio la news. Ndio la news magazine et pe sa information ya solo solo. Ne vous trompez pas d'adresse pour être bien informé. Suivez Lingala News. Lingala News toujours. N'oubliez pas de rester connecté sur Lingala News. Yambo Basangwa Solo. Lingala News, seule information vraie à qui. Qui pourra sauver? Depuis 1964, na bima diplôme moins de 20 ans. Et banda wana na banda ko sala ti na bali na boti bana na ngai na l'enseignement. Mvi oyakala tozala kanango. Ba rappelle pamba pamba. Na biso tozala ki na l'intérieur. Na boy bazala ki ba mama bazala ki na kisasa comme enseignante. Ba somba somba mapango. Mais pour le moment, nga na sombi ata lupango te. Donc, passe. Sur un an, il y a 2500 dollars. Je suis à Lupangu, je suis à Kotonga, je suis à la Nini. Donc, vie et les cas, et ça là qui est bien. Tiba, ba, 80 combien? Tiba, 83. Tu as là qui est la vie à Kitoko. Donc, dans l'enseignement. Mais quand on a dit que c'est le lot, passe na passe. Tu as dit que tu as tout ça nga soki na leka ki na baya ye kolite ndenge nini na koko sala enseignante lelu tu iba sembe ke na kabaka bwa kwa kula malu a balonge shibetu ba muko wa mungalata ba jibenza mijimu mujimu munena mu jitunga jetu ja mu ja kongo benza plus de 50 40 ans de carrière kadi kunde kelu ministre wetwa EPST en enseignement ministre wa enseignement primaire secondaire et technique mubifata katone ba kampani mubafuta makutabu andeke dito mubifata pinye badi bifata badi remplacer ku di bantu benda badi ye mumanya ni bena bena jenda kibolka tu tombila mukalenga wa jitunga Félix Tshisekedi di Tshilombo wane. Hier, vous m'avez dit que vous avez un état de droit. État de droit, c'est un peu de droit. Vous avez un malou, un ami, un pamané, un malou, un ami, un ami, un fils, un fils, un fils. Steve n'a été pris en bonne et due forme. On n'a pas d'arrêté, on n'a pas de décret, on n'a pas d'ordonnance. Nous tous, nous savons que pour aller en retraite, il faut qu'il y ait un arrêté d'un ministre, du ministre qui met les agents en retraite, et en l'occurrence ici nous avons parlé du ministre de la fonction publique. Mais là, il s'agit des agents de collaboration que nous sommes, enseignants, mais il s'agit également des agents d'exécution. Pour les cas des agents de commandement, c'est soit un décret, soit l'ordonnance du chef de l'État lui-même. Mais tous ces actes n'ont pas été pris en bonne et due forme. Autre chose que nous remarquons sur le plan réglementaire, l'enseignant retraité n'est pas notifié. Il y a des notifications qui courent, mais ce sont des copies. Or,
L'enseignant a besoin d'être notifié officiellement. Parce que la notification sécurise. Lorsque vous devrez aller au niveau de la direction de la pension, de la rente, etc., vous devrez avoir un document régulier et complet. Or, à ce jour, nous n'avons pas ce document. C'est une retraite cavalière, irrégulière, injuste, qu'on impose aux enseignants de la République. Camarades, Fabien Asseli, pour me dire, je suis en train de me faire boucler.